本気で行くぞ。Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Captain Tsubasa Zero Miracle Shooto. C'est l'anniversaire, c'est de la dinguerie, il y a un nouveau portail allemand Junior Youth, il y a un nouvel event à farm, il y a un nouveau système de tickets qu'on pourra invoquer dessus avec des joueurs 3 étoiles garanties, c'est n'importe nawak. Donc on va pas perdre de temps, on va voir tout de suite les joueurs. Donc il y a un nouveau Schneider vert, on a Müller, extrêmement fort, etc., etc. Donc ça, on l'a vu, ça. Ok, tac, tac, tac. Ok. On va voir le tout premier. Donc ça, c'est aujourd'hui. Il veut pas. Ok, bon, c'est pas grave. Ah, voilà, c'est bon. Donc, d'aujourd'hui jusqu'au 13 novembre, donc encore quasiment un mois, quoi. Un mois. Tu as des joueurs premium que tu vas pouvoir avoir. Mais il te faut, je crois, si je dis pas de bêtises, un ticket spécial, d'accord. Ce ticket-là, tu vas pouvoir farmer et acheter le ticket dans la boutique. Je te montrerai ça tout à l'heure, tranquillement, au calme. Retour, hop, hop. Oui, je suis assez pressé, hein. Tu l'auras remarqué. Donc, 5 nouveaux joueurs allemands. On va voir ça tout de suite. Transfert anniversaire. Voilà, c'est ça. Transfert anniversaire, etc. Donc si tu veux farmer, si tu veux reroll, je crois que c'est peut-être le bon moment pour recommencer une équipe. Et voilà. Tac, tac, tac. Alors, voilà, un joueur allemand garanti. Donc, le système de 3 multi, la 4ème est offerte. Donc pas de garantie, rien. Donc voilà. Donc tu as un palier, donc tu as 3 paliers de gemmes payantes. Donc, qui ne coûte que 2000 gemmes. Et le troisième palier, tu as un joueur allemand garanti. Et tu en as beaucoup de joueurs allemands. Tu as Schneider, tu as Müller, tu as Kals, tu as Chester et tu as Margus. Tu en as 5. Donc, tu as, on va commencer par le Schneider. Il est vert. Il donne à tous les verts 25%. 25% full stat. C'est incroyable. C'est n'importe quoi. Il a le tir last fire, donc frappe du gauche en plus. voilà, donc ça c'était Mav, hein. Ok, donc il a le passif, il prend 4% sur sa technique de sur sa puissance de technique quand il est en attaquant. Donc de toute façon vous allez jouer attaquant Schneider, tu vas pas le jouer n'importe où. Et pour chaque joueur vert bien placé aussi, et 3% supplémentaire à sa propre puissance pour chaque allemand collège bien placé aussi. Donc si tu as une foule Allemagne, ça peut faire extrêmement mal. Ça peut faire extrêmement mal. Et tu lui mets les 25% plus le 24, ça fait 29. On est sur du 32%, si je compte bien les choses. Mais il faut tous les Allemands. Donc les 3%, tu peux les oublier, mais les 29%, c'est complètement jouable. Le Müller rouge, il donne à tous les attaquants, milieu et gardien, donc il se prend pour lui, 15% rouge. Donc tous les rouges, n'importe quelle nationalité. Bon, de toute façon, japonais ou allemand, ou lui, voilà. Donc voilà, donc très 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 fort. Il a le passif géant d'acier quand il est passé en poste de gardien de but. Bah, de toute façon, c'est son poste. Il prend 9% face à la propre puissance pour chaque joueur d'Allemagne bien placé. Et empêche la réduction du nombre d'activations de technique en cas de victoire en duel. Ah, ça c'est pas mal, ça, c'est un nouveau truc. D'accord. Il a deux traits spéciaux, le Müller. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Le Kals, il est vert. Tiens, comme le Schneider, il donne à tous les joueurs allemands collège plus 15%. Ça veut dire que même les Hambourg, même eux, parce qu'ils sont considérés comme collège aussi, Junior Youth, ça reste l'arc collège. Après, c'est World Youth, on est en arc lycée. Normalement, si je dis pas de bêtises. C'est Road to 2002 qu'on devient, Tsubasa devient professionnel et tout et tout. Donc là, signe un contrat professionnel au Barça. Donc lui, il donne 15%, etc. On l'a dit. Il prend 8% à sa propre puissance quand il est bien passé sur le milieu de terrain. De toute façon, Kals, c'est le milieu de terrain. Même si c'est vrai que dans le manga, parfois, il a joué attaquant. Mais la plupart du temps, c'était milieu de terrain. Il prend 3% face à la puissance de technique des joueurs attaquants au milieu allemand collège bien placé. Donc voilà.
Le Chester, il est vert aussi. Il donne à tous les verts 20%. Voilà, son team skill 20%. Mais bien évidemment, le leader skill le plus intéressant, ça reste le Schneider. Il prend 8% à sa propre technique quand il est bien passé au milieu de terrain. De toute façon, c'est son poste. Et 3% collège bien passé. Alors, attends. Attends, Mav. Doucement, Mav. Attends, je reviendrai sur toi après. Margus encore vert. C'est juste le Müller. Le Müller, il est rouge, mais tout le monde est vert. Margus, tous les joueurs de joueurs allemands collège, plus 10% et tout. Très bien, plus 10%. D'accord, tous les attaquants verts. Ok. Ouais, c'est bien. T'es pas obligé de jouer allemand, donc pas mal. Octroi, 8%, sa propre. Par contre, on a. J'ai pas l'impression qu'on a les fiches des joueurs. Enfin, au moins la puissance globale. Donc voilà, donc 2000 gemmes, premier palier payant, 3000 gemmes payant derrière, et encore 3000, et là par contre tu as le joueur allemand garanti. Donc dans chaque palier, tu as un joueur 3 étoiles collège garanti. Voilà, donc ça peut être du japonais, ou de l'allemand, voire même d'argentin, et je crois que c'est les seules nationalités présentes du jeu. Pour l'instant, il n'y a pas encore les Italiens ou les Suédois, ou les Hollandais. Donc il te faut, si je compte bien, ça nous fait 6, 8, il te faut 8000 gemmes payantes. Payantes, si je dis pas de bêtises, hein, parce que je vois que le 2000 gemmes est en rouge. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, donc c'est payant. Donc voilà, ah voilà, donc il a le Last Show. Voilà, donc le Last Fire, il peut monter à 7980, ça fait très mal. 53532 de puissance globale, c'est incroyable. En plus, il tire du gauche, c'est magnifique. Non, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Le Müller, il monte à 53597. Il faudrait voir avec les différents gardiens maintenant japonais. Je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs gardiens maintenant. En tout cas, il est dans la tier list. Le Karls, 52809. Donc, si t'as pas de milieu de terrain, il te faut lui. Donc, dribble, but, hérisson. Hein, 7780. Le Müller, sa technique, 7950, c'est énorme, on est presque du 8000, donc c'est très fort. Le Chester, magnifique, 7750 pour le Gioco des Piedi Elegante. Donc c'est des fois il y a des petits problèmes entre la version française et la version italienne. Donc si ouais, jeu de pied élégant, je pense que c'est ça la traduction. 52773. Il est vert, comme je disais, très fort. Le Margus, 52764. Et lui, par contre, il n'a qu'un tacle. Bon. Après, je sais que tu peux essayer d'avoir la tête explosive. Tu peux peut-être lui monter une belle tête explosive, bien costaud. Ça fait plaisir. Donc, nouveau... Alors, attends, que je ne fasse pas n'importe quoi. Donc, campagne, anniversaire, deuxième partie. Il y a 6 phases, hein. Bonus de connexion, obtenu jusqu'à 3000 gemmes et le cachet de tir niveau max. Ça, c'est bien ça. Donc aujourd'hui, premier jour, 600 gemmes, c'est beaucoup. 100, 600 le sixième jour, 100. Et tu as la carte niveau max de tir. Donc ça, c'est truc de ouf. Et tu as un niveau Eventarum où tu vas collectionner des drapeaux rouges et tu vas pouvoir les échanger dans le shop. Et par exemple, tu vois cette pièce de Rainbow, tu vas pouvoir faire des tirages et des recrutements. Voilà, tac. J'aime perdre réduit, donc ils ont fait des réductions, hein, par rapport à, ils sont un peu inspirés de Club forcément. Voilà, bon, tu as des packs, je te laisserai regarder. Tu as le mission premier anniversaire où tu as des jetons de premier anniversaire, etc. Ticket de transfert d'anniversaire aussi, ça c'est un truc de ouf, gagner un match. Donc voilà, donc il y a des bonus à faire, il y a des missions où tu vas gagner des belles récompenses. De toute façon, je te laisse regarder tout ça. Il y a la troisième partie qui arrive le 23 octobre. Et la quatrième partie derrière, c'est une petite dinguerie. Voilà. Donc on va aller dans événements. Voilà, le nouveau event à faire. Donc ça, j'espère que tu l'as fait, comme ça moi, tu récupères tes orbes. Donc voilà. Donc comme je te disais, tu as gagné des bonus. Voilà, donc il te faut 100 points avant l'obtention de la première pièce, entre guillemets, Rimbo, on va dire ça comme ça. Les joueurs bonus, ils sont là, donc forcément, il te faut les 5 allemands, si tu as un petit boost. Et l'échange est ici. L'échange est ici, donc tu as les 10 tickets SR, tu as le tir max, niveau max,
5000 drapeaux rouges. Après, bon, bah, t'as des petits carnets. Bon, ça, c'est pas très intéressant à prendre. Je pense que tu devrais passer outre. Par contre, le ballon ex 4 étoiles, ça peut être très sympa. Donc voilà, jeton de premier anniversaire. Donc, comme je t'ai dit, le jeton, ils sont là. Donc, le ticket doré, un ticket doré coûte 50 pièces Rimbo. Donc, le ticket tire rang 4, 150, etc. Donc, de toute façon, je te laisse regarder. Voilà, je te laisse regarder ce que tu as besoin de maxer. Mais on se concentre là-dessus. Donc, il n'y en a que 5. 5 tickets gold. Voilà, 5 tickets gold pour que tu puisses monter tes joueurs. Voilà, je sais, j'ai plus de batterie, je le sais. Donc, ça va d'assez terminé. De toute façon, je te laisse. Hop, voilà. On va aller dans les transferts pour que tu puisses montrer à quoi vont servir ces tickets gold. Donc là, on a vu le premier portail, c'est du 100% payant, donc pour les cash players. Là, c'est le palier, comme je t'ai expliqué. Au bout de troisième multi, la quatrième est offerte, mais par contre, tu n'as aucune garantie d'avoir ni les joueurs, rien du tout. Là, c'est pour faire les singles. Voilà, deux singles, donc voilà. Ensuite, les tickets gold que je t'avais parlé, donc tu en as 5 maximum. Donc voilà. Donc tu peux avoir 1, 2, 3, 4, 5. Donc tu as 1 3 étoiles garantie au premier palier. Tu as un joueur collège 3 étoiles garantie. Tu as au troisième palier un joueur 3 étoiles avec une compétence garantie. D'accord? Un joueur 3 étoiles exclusive garantie. Et le dernier, c'est 3 étoiles premium, un joueur transféré premium garantie. Ouais, dans les détails, on va voir comment sont les taux de drop. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans ce portail? Ouais, je sais, je bombarde. Hop, on va aller. Tout cas, voilà, on est franchement, on est gâtés. Franchement, parfait, parfait, parfait. Alors, step 1 à 4, step 5, d'accord. On va dire bah, 1 à 4, on va commencer par le 1 à 4. Donc voilà, t'as le. Ah ouais, t'as les joueurs, t'as les World Cup dedans. T'as les World Cup dedans. Ouais, t'as les World Cup dedans. Ok. Donc il y a moyen d'avoir notre ami le Yuga par exemple ou le Matsuyama. Ok. On va fermer. Ouais, mais le problème c'est. Ok, c'est pas grave. On va revenir. On va voir le step 5, le dernier. C'est ça qui va peut-être nous intéresser là-dedans. Le step 5. Alors, moyen d'obtenir, c'est du 100% garanti. Donc, ouais. Donc, le Néo Tir du Tigre. Donc, là, c'est le Junior Youth, le Yuga 1,17. Il est boosté. Le Matsuyama aussi. Le Soda Surimachi passe lame du rasoir. Le Kasugi, interception défensive. Donc, ça, c'est du collège, collège, collège. Ah, ouais, non, mais faut viser le Yuga, les frères. Le Yuga ou le Matsuyama. Après, bon, c'est sympa. Hein, c'est du collège. C'est du. Voilà, je suppose qu'il y a des joueurs très très forts, mais voilà quoi. Bon, après, ça qui est le Tsubasa avec le tir de l'ex, je sais pas s'il est là-dedans, je vois pas. Par contre, il y a le Diaz avec le tir ex, et voilà. Attendez, je regarde juste l'heure, ok, c'est bon, parce qu'il faut aller chercher mes enfants, ok. Donc voilà les tickets. Tu en as 5 à récolter, aller chercher, et déjà tu as 5 joueurs 3 étoiles garanties, et voilà quoi. À toi de voir ça, à toi de voir ça, et je pense que le Surimachi, tu peux laisser tomber. Et je vais avoir aussi bah, les tickets transfert bonus de côté, et il y a le Jito dedans. Et il m'intéresse le Jito. Alors, si j'ai pendant l'anniversaire, si j'ai le Jito et j'ai le Yuga, c'est du grand n'importe quoi. J'ai une équipe japonaise extrêmement forte. On va voir ça tout de suite, hein, hop, avant qu'on se quitte. En tout cas, j'espère que j'ai été à peu près clair. Donc voilà, le seul joueur non japonais, c'est le Schneider Hambourg. Voilà. Donc je suis à 499 de puissance d'équipe. Donc bien évidemment, si j'ai le Yuga ou le Matsuyama, bah, je dépasse les 500 000 sans aucun souci. J'ai drop le Diaz sur le portail Argentine au bout du troisième palier, je crois. Et voilà quoi. Donc j'espère que tu as tout compris ce que je t'ai expliqué. Je sais pas si notre ami. Non, c'est notre ami, comment il s'appelle déjà? Nita. Donc Nita est encore là. Voilà, par contre, il faut passer, je crois, niveau 40 pour que tu puisses continuer le secondaire. Je pense qu'on a été assez clair pour cette
pour cette deuxième vague d'anniversaire. Voilà, donc moi j'ai 5500, 5320. Je vais collectionner à fond. J'ai pas besoin d'invoquer tout de suite, tout de suite. Je vais collectionner à fond les gemmes et on verra ce que je vais faire comme, comme tirage. Voilà l'ami, j'espère que cette petite vidéo présentation de l'anniversaire et du nouveau portail allemand t'aura plu. Pense à mettre un j'aime et à t'abonner, à mettre la petite cloche. Je te kiffe et à la prochaine pour une nouvelle vidéo Captain Tsubasa Zero Miracle Shooto.